Ricky, le fantastique, lapin magique. Voilà Ricky, catastrophique, lapin magique. Rikit, tu sais ce qui me plaît le plus quand la neige tombe à gros flocons? C'est qu'il n'y a pas école. Oh, je rêve. Je comprends pas. À la météo, ils ont dit qu'il allait neiger toute la nuit. La neige, c'est magnifique et si invisible. Je croyais qu'on n'aurait pas école et je comptais là-dessus pour finir plus tard ma maquette sur le Moyen-Âge. Waouh, il se passait pas grand-chose à l'époque, on dirait. Bon, tu vois ça, c'est l'Angleterre. Il me manque plus qu'un champ de bataille. Je m'en charge. Oh, 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 excellent. Oh, je veux avoir zéro. Si seulement il neigeait plus souvent dans cette ville. Tu dors ou quoi? Je suis pas un lapin magique peut-être? Je voudrais pas te faire de peine, mais ta magie vient de détruire ma boîte à chaussures. Oh, laisse-moi me rattraper, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ça va, d'accord. Arrête un peu ton petit manège, je ne m'appelle pas Nadège, je demande juste le privilège d'avoir une petite tempête de nuit. Une tempête de nouilles. Oh, c'est pas bon signe. Ah, oh, alors ça, c'est bizarre. Oh. Ah, Rikit, t'as réussi. Regarde, il neige. Encore plus bizarre. Hey, qu'est-ce qui se passe? Hey, oh, oh, tout doux, bijou. Vas-y, moulo, je suis fragile. Jay, il y a un nuage qui te parle, là. Qu'est-ce que t'attends? Fais-le disparaître. Ma main est fichue, comment veux-tu que je fasse? Oh, t'as qu'à utiliser l'autre main. On ne peut rompre un sortilège qu'avec la main avec laquelle on l'a lancé. Je peux pas le faire disparaître tout de suite. Me faire disparaître? Dis donc, je viens juste d'arriver. Je m'appelle Nimbus, je te serrerai bien la main, mais je suis un nuage. Oh, écoute Nimbus, ne le prends pas mal, mais je vais être en retard à l'école, alors... Oh, Jay! Rikit, fais quelque chose! Tant que maman aura pas repris sa taille normale, Nimbus restera collé à toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? T'as qu'à porter des moufles, ça va très bien avec la neige. Oh, ça va, je rigole, je vais trouver une solution, bouge pas. Ouais, d'accord. Oh, ça va, fais pas cette tête-là, on va bien rigoler, t'as vu une neige? Arrêtez de faire les idiots, les enfants! Bon, alors voyons voir. Comment je vais réparer ma main maintenant? Ah! Oh! Elle a rétréci! Oh! Ah! Ouf! Excellente idée, les morceaux de sucre! Des personnages en pince à linge, un pont-levis en bâtonnet de glace, intéressant! Bravo! Depuis que j'enseigne, je n'ai jamais vu une classe montrer autant d'enthousiasme et de créativité que la vôtre! Et pas une seule fausse excuse! Allons-y, Nimbus, croisons les doigts pour qu'elle ne remarque rien! Bonjour! Oh, oh non, j'ai parlé trop vite! La voilà, ma première fausse excuse! Jay, où est la maquette que vous deviez me rendre? Elle est éparpillée en mille morceaux dans ma rue. Pourriez-vous m'expliquer ce que c'est que ça? Pardon? Qu'est-ce que c'est que quoi? Cette drôle de capuche que vous avez sur la tête et ces flocons de neige qui tombent à vos pieds? Je suis désolée, je vois pas de quoi vous parler. Ah, j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un avec aucun pellicule. Jesh Mufton, je peux savoir ce qui vous arrive? Je me suis dit qu'il serait beaucoup plus intéressant de faire des travaux pratiques sur le Moyen-Âge.
Bah oui, vous voyez, c'est l'époque des catapultes. Et elles fonctionnaient sur le principe du levier. Comme ça. Ah, ouh. Hey, les enfants, Jay, Wally, oh, vous m'avez raté. Et puis zut, quand tu ne peux vaincre l'ennemi, joins-toi à lui. J'avais bien dit qu'on s'amuserait comme des petits fous. Ouais, t'avais parfaitement raison, Nimbus. Rikki s'en est bien sorti, finalement. Alors, comment va ta main? Ça te fait mal? Non, elle est enflée et elle peut plus faire de magie. Quoique, en fait, j'ai réalisé que je pouvais utiliser ma main droite pour jeter un sort à ma main gauche. Oui, bon, eh ben, y a encore du boulot. Et toi, ça va? Super bien! On a fait une bataille de boules de neige en cours et en plus, on est sorti plus tôt. Ah, bonne nouvelle! Jay! Il faut absolument que tu viennes au parc pour descendre la piste de ski! Dépêche-toi! Il faut que j'y aille. Mon public m'attend. Allez, viens, Rikki! J'ai jamais rien fait d'aussi cool. Et t'as encore rien vu? Ouais, waouh, génial. Et t'es jamais à court de neige? Eh non, enfin, je veux dire, sauf si Rikki me prend dans sa main. Comment ça? Bon oui, comme je suis liée à sa magie, il suffit qu'il passe la main sous moi et toute ma neige disparaît instantanément. Et sa main redevient normale. T'inquiète pas, ça lui fait pas mal. Le plus difficile, c'est de trouver un gant à sa taille. Allez, reste pas planté là. Mais viens. Peut-être que je devrais aller aider Rikki. Citoyens et citoyennes de Boucan-les-Bains, je déclare officiellement que dorénavant, cette journée sera rebaptisée la journée de Jay Schmafton. Et en tant que maire de la ville, je lui confère sur le champ le titre honorifique de roi de la glisse. Merci, c'est très gentil à vous. Mais j'aimerais que vous sachiez tous que je n'aurais jamais pu faire tout ça sans l'aide de mon ami Nimbus. Ouais. Ouais. C'est pas vrai, Rikki, je l'avais complètement oublié. Oh non, le soleil! Il va faire fondre toute la neige! Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Nous avons à notre disposition une source de neige inépuisable, n'est-ce pas, monsieur le roi de la glisse? Allez, Jay, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, votre Altesse. Je suis vraiment désolée. Oh non, attends, tu vas pas faire ça, Jay. Oh. Excuse-moi, Rikki, je ne sais pas où j'avais la tête. Ah, mais elle est sur tes épaules, ta tête. Oh.
Tu vas voir. Oh, c'est vraiment pas cool. Désolé, Nimbus. Et je reviendrai te voir. Appelle-moi un de ces quatre. Ça me fera plaisir. En tant que maire de la ville, je retire le titre de roi de la glisse à Jesh Maftov. Abandonner tout ça pour moi? Oui. La célébrité, la gloire! Oui. Une journée qui porte ton nom, Esquet qui se propose d'être ta reine et... C'est bon. Eh ben enfin bref, merci beaucoup. Et maintenant que maman a repris sa forme, je vais pouvoir faire un vrai tour de magie. Allez, Rikit, vas-y! Hey! Oh, tu sais, Rikit, il faut pas forcer le destin. Il neigera bien quand il neigera. Hé hey, oh. Regardez ce que Bill est en train de faire.